Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, chapitre 1, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. Home, sweet home. Bienvenue à la maison, cher. Sherlock, Sherlock, mon cher. Nous avons été mandatés pour organiser une vente aux enchères publiques le 20 juillet au manoir de Stonewood. Tous les lots ont été sélectionnés parmi les pièces de la plus haute qualité appartenant à la famille Holmes. Elles ont été évaluées par des experts. Leur authenticité a été confirmée. Dire que je me demandais pourquoi le manoir était vide. Nous pourrions peut-être retrouver une partie de nos biens. Tous les états des marchands locaux, cela vaut bien que tu l'essayes, ne crois-tu pas? Vous trouverez aux quatre coins de l'île différents marchands de mobilier vendant des articles pour votre manoir. Leur inventaire est fréquemment actualisé, alors restez à l'affût. Des notifications indiquant une nouvelle livraison sur votre carte. Caribou, salut Gwen, ça va? Une porte là. Another one. Ah non, je suis sûr qu'il renferme quelque chose d'important. Oh, tranquille. Another one. Ah non, je suis sûr qu'il renferme quelque chose d'important. J'ai dit au manoir de Stonewood. Madame Violette Holmes, veuve de Sigurd Morland Holmes, est décédée de manière inattendue dans sa demeure hier, le 9 avril 1869. Elle laisse derrière elle ses deux fils âgés de 20 et 10 ans. Bien que nul ne saurait dire si ceux-ci continuent de résider au manoir de Stonewood, Madame Holmes avait acheté la propriété il y a seulement un an. En dépit de faibles constitutions de son corps, en ravagé par la consomption, Madame Holmes a rapidement trouvé une place au sein de l'élite cordonnaise. Dans sa haute vocation, elle possédait en outre de l'intuition profonde d'une femme talentueuse, la vigueur d'un homme, la conscience d'une sainte et la vivacité d'esprit d'une satiriste. Véritable spécialiste des objets anciens, elle est imposée comme une autorité sur tout ce qui a trait à l'authenticité des choses. La police a lancé son investigation dès son arrivée au manoir. Elle n'a publié aucun autre détail sur l'affaire à cause du décès des inconnus. À cause du décès. Quelque chose s'est produit ce jour-là, mais personne ne veut nous fournir des détails. Pourquoi? Je suis d'accord, c'est suspect. Je me rappelle de la colère de Mycroft au sujet de ses mains. Il qualifiait cela de frasque puérile et frivole. Ah non, je suis sûr qu'il va faire quelque chose d'important. Sûrement. Ah non, je suis sûr qu'elle renforce quelque chose de bien. J'ai entendu des pas à l'étage il y a un instant. Attendu. Avons-nous un grenier?
Je pense que notre portrait de famille était jadis accroché là. I think our family portrait used to hang here. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Qu'est-ce que ça joue aujourd'hui? What's wrong? I heard footsteps upstairs a second ago. Wait. Do we have an attic here? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. One of the first things I saw when entering this house as a child. Enfant. C'est comme une impression de déjà vu. This is the luggage we brought from London, isn't it? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? This is the luggage we brought from London, isn't it? I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Il y a une grande juffée pour y aller, c'est ça l'affaire aussi. C'est vrai qu'elle... non. Another one. There must be something important behind it, I can feel it. Our family portrait used to hang here. Ça commence bien.
manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry? Parapluie. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Sa garde-robe. Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Bon, je vais regarder le parapluie. Our mother brought a slew of belongings with her. Avec l'équivalent d'une montagne de bagages. Elle avait refusé de laisser quoi que ce soit à l'ancelle avec le Mycroft toute la journée. Le voyage fut très éprouvant pour ma mère. J'ai essayé de l'aider. Eh bien, salut. Ouais, vous avez écrit Vance le Polo, mais pas Polo, c'était là, là, mais... Another one. There must be something important behind it. I can feel it. You can boo. Ah, moi, c'est plus là. C'est la drogue, oui. Bon, là. Il y avait toujours un chapeau sur notre manteau, mais je suis sûr que ce n'était pas celui de Mycroft. Là, tu sentais aussi, c'est comme si l'air scintillait, ou je me fais des idées. Et en mode, je réfléchis trop. On valide. You're not even trying, tu essaies à peine, cher. Concentre-toi. Ah, faut que je les mets en ordre. Ah, ah, ah. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est qui l'a... Ah, ok, je comprends. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Non, le parapluie, c'était pas à lui. Bon. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Bon, faut que je lis le journal, c'est sûr. Bon, John m'a demandé de rappeler mon tout premier jour de Cordona. Nous étions arrivés tôt de la matinée. Vous aviez emporté un nombre considérable de bagages et notre mère avait refusé de laisser quoi que ce soit à Londres. Mycroft était de ce fait accaparé par l'emménagement.
Tu vois, j'avais été mis notre mère à l'épreuve et j'ai essayé de l'aider. Il avait toujours un chapeau accroché à notre parent. Porte-manteau, mais il n'y appartenait pas à Mycroft. Le visiteur avait de fréquent venir à la maison. Bon. Est-ce que lui, c'est Mycroft? Mycroft est un vieux. Toi, t'es qui? On a fait ça comme ça. Ok, c'est pas ça. Faut y inverser les deux. On inverse. Là. Là. Non. Non. Et voilà. Logiquement. Nous dirons à nos voisins que Mme Holmes souffre de tuberculose. Cela ne veut rien d'inhabituel de se rapprocher de la mère en pareil cas. Merci, Dr. Richard. Non, Sherlock, éloigne-toi d'elle. Va en haut, dans ta chambre. Reposez-vous sur mon bras, mère. Prenez votre temps. Je ne me rappelle pas d'avoir entendu tousser, à vrai dire. Ça me revient à présent. Nous sommes arrivés à l'aube d'un jour pluvieux. La mère de Cher était faible et gardait un équilibre précaire. Il avait donc essayé de l'aider. Mycroft prenait la gestion des bagages très au sérieux. Quand il aperçut Cher donc en train d'aider leur mère, il lui ordonnait de monter dans notre chambre. La dernière personne arrivée était le médecin Otto Richard. Il a déclaré que les voisins n'auront aucun mal à en croire que Violet avait la tuberculose. Cher vient de réaliser qu'il ne l'a jamais entendu tousser. Oh, j'ai la tête qui tourne. On étouffe un peu ici, non? John, tu vas bien? Ça va mieux dans une minute. Et si on trouvait notre chambre en attendant? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Look at this. Regarde-moi ça. C'est comme si un seul pas nous ramenait 10 ans en arrière. Cela m'offre une étrange satisfaction. Un artefact des Palais taillé dans un os. La rumeur prétendait qu'il était vieux de plus de 300 ans jusqu'à ce que Mère prouve que c'était pas vrai. Moi, je préfère rester vraiment un trésor de pirate parfait. Je n'arrive pas à croire que tous mes jouets sont encore ici. Et ils n'étaient pas qu'à toi, c'était la moitié des miens aussi. Interesting. What's that over there? Avons-nous là? C'est comme une espèce de clé. This doorknob has a bouton de porte et en forme de croix. Sa forme est bien trop complexe pour qu'elle soit juste. Tu sais quoi? Ça ressemble à ce point d'une clé. Allons fouiller dans les parages pour débusquer son secret. Mais ce livre de fiction de ma possession, je me souviens de mère qui me lisait à voix haute. Tant d'agréables soirées passées ici en compagnie de l'encyclopédie américaine. Donc voilà les notes de mes toutes premières observations. Nous voulions qu'il y ait un chien bien particulier que nous avions repéré et nous avions réussi, non? Peur de ta vie. Il faudrait que tu fasses ça à nouveau.
Avec des balles. Need to repeat this one day, but with bullets. This time I was. Fois, j'ai choisi les places en premier. Ce lit est à moi. De la poudre de charbon provenant de mine Ender. Du sable crasseux de la vieille ville, nous avons apportant l'île de long en large. Le premier laboratoire de chimie que j'ai mis sur pied, son élégance, sobriété me manque. J'irais presque. Regarde ça, John. Tu te rappelles-tu de l'envie dévorante d'apprendre le violon? On n'en a jamais vraiment eu l'occasion. Un outil super conçu, des fins fallacieuses. Observez le ciel, je lui ai trouvé bien meilleur usage. Espionner les gens, tu veux dire? Another one. There must be something important behind it. I can. La poignée en bois, couverte de poussière, ce bout de forme de croix ressemble étrangement à une clé. J'en ai rappelé que nous avions un trésor dissimulé quelque part dans notre chambre, et à parier que je ne le retrouverai pas. Need to repeat this one day, but with bullets. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. First chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Nah, doesn't fit here. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Ah, ça s'appelle rappelle notre voisin, il gardait une montgolfière similaire dans sa cour, une plus grande, tu t'en souviens? Oui, il lui rendait fréquemment visite lorsque nous vivions ici. Bien que je n'ai rien sous la mort de ma mère, je me souviens d'un ami que nous avions en Cordona et il pourrait m'aider. Wasn't that neighbor missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name Theodore? Theodore Gildon, perhaps? Ouais, c'est le moment idéal pour enquêter dessus. Et voilà. Perfect match. Il rentre parfaitement. My small archive. Le petit dossier constitué d'articles se fait divers criminels. Je devrais peut-être recommencer à le collectionner.
Made of cherry wood. Father's favorite. Cerisier, la préférée. Made of cherry. De père. Still has a faint odor of tobacco. Encore une légère odeur de tabac. Une des rares choses sur l'île qui me rappelle ma maison. Une petite pipe droite en bois de cerisier qui appartenait autrefois au feu de Singer. Holmes, le père de Cher. Rendu le. Elle est, car elle ignorait que. Volé. Yalon, les bois. Le bois est vieux et la surface est abîmée par des années d'usage fréquents, mais elle a bien été entretenue. Une faible odeur de tabac s'en dégage fort. Sherlock pipe de son père avec lui. Perçoit. Oui, une grande valeur sentimentale. I knew you'd find it in no time. Avec le tout. Mais. La pipe. Comment ai-je pu oublier notre cachette dans l'ombre de ch... Ouais. Inondé de souvenirs. Naturellement, aucune information sur la mort de mon père. Ok, il habitait... Ok. Ma mère, mais je me souviens d'un vieil ami de la famille vivait aussi au Cordona. Un homme excentrique répondant au nom de Theodore Gilden. Il lui manquait l'auriculaire à la main droite. Il réside encore ici. Il pourrait peut-être m'éclairer sur les circonstances de la mort de ma mère. À l'époque, il habitait une des maisons du voisinage près du pont de Grèce. Regardez, montgolfière dans son jardin. Cordona, le pont de Grèce. Bon, entendez-le. Suivez l'histoire un peu, là. C'est là. Viens de le prendre. Pourquoi t'as fait ça, là? Dans la même jour, moi je joue 2 heures par jour, toi tu vas avoir fini le jeu dans 2. Il va falloir que je m'avance, tu vas manquer l'histoire. Je vais m'avancer, c'est ça. Très bien. Faut pas qu'il y ait de maison ici.
May I ask for your assistance? Don't be angry with me, sir, but I don't know. C'est la maison qui est là. On appelle ça un cimetière. Les pans de graisse. Je me demande si c'est pas là, là. Je vois qu'il y a une courbure. Can you satisfy my curiosity? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Oh, it wouldn't be. Could you help me? I'm not in the mood to talk to money bags. This isn't working. You might need a different tack. Une grande maison près du pont de Grèce, gardée de Montglenfière. Pas ça la grosse maison là. C'est un cimetière, ça. Ah, cette tête-là. Non, c'est chez nous, ça. A manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry? I have so many ideas. Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. J'ai pas le temps d'aller voir ça.
Il est en précommande, t'as vraiment de la chance, il aurait une chance de t'en... Ah ça, il est en précommande, il sort quand un jeu? Je pense qu'il est pas sorti encore nulle part. Moi aussi c'est marqué précommande. Mais vu que je suis parce qu'il y avait pas un... Ah non, je peux le jouer. J'étais chanceux. Ça disait de ne pas le rentrer par PC, sinon vous allez vous pourrez pas le jouer avant que le jeu sorte. Ouf. Là, je suis loin du pan. Le pan de graisse est là. C'est le pan. Une grosse maison avec une montgolfière. Un dirigeable. Ah là! Des objets brisés en mille morceaux. Yes. Oh non! Oh non! Ah, il n'est certainement pas contorsionniste. Vertèbre disloquée, difficile à déterminer si c'est qui a conduit à sa mort. Rotule réduite en charpie. A belt from a dressing gown. Ceinture de robe de chambre curieux.
Oh, là. A missing pinky. Un petit doigt manquant d'âge moyen, il s'agit de nul autre que Theodore Gilden. Oh boy, Sherlock. Another death, Sherlock, une autre mort signifie une autre question. And we shall answer the question. Nous répondrons à cette affaire. C'est trop fascinant pour qu'on en laisse dans les mains de quelqu'un d'autre. Il était certainement sous pression. Une suite royale pour un animal domestique choyé. Assez de nourriture pour satisfaire un estomac de plus exigeant. Non, Gwen a fait l'amour en étoile, c'est pas pareil. La française. A royal suite for a favorite pet. Alors, qu'est-ce que j'ai encore manqué? Et on va faire la lecture. Je me suis rendu à la résidence d'un vieil ami de la famille où les signes d'un chaos récent m'attendait, le portail était enfoncé de l'intérieur. Et nous avons trouvé la dépouille d'un homme dans l'enclos d'un animal de grande taille. L'auriculaire manquait à la main droite. Il s'agit de Theodore Gilden. L'homme a subi tant de blessures mortelles que la cause exacte de la mort est difficile à déterminer. Ses jambes ne sont plus qu'un amas de chair et de sang. Une ceinture de robe de chambre a été retrouvée sur le cadavre. La victime a subi de nombreux coups d'une grande violence. Les blessures qui ont résulté lui ont été fatales. L'homme se soumet. Celui avec les cheveux rouges. Merde. Oh! Un couteau de marin, pratique pour couper les cordes épaisses. A sailor's knife. Un réservoir de gaz de houille avec une capacité suffisante. A sailor's knife. It's seen a lot of use. Il y a beaucoup d'utilité. La lame a abîmé le fort de fustage. Oh! Les signes récents d'une collision, un atterrissage malencontreux, a conduit à une altercation avec quelqu'un.
va aller parler aux personnes qui traînent à l'avant. Is this familiar to you? Quelque chose? I can't help pas vous aider you là-dessus, there, monsieur. Excuse me, just one question. La présente question, oh, monsieur, je ne connais pas être capable. Do you know anything about this? I'm so sorry. I can't help you, sir. Time to check your who, what, and what. Sherry, who are you asking about what? It's as if a storm went through here. Minimum, faut que je prenne soin quand même. Et tu ne considères pas comme un, les mêmes hommes. Il était certainement sous pression, ça on l'a aperçu. Strong pull broke this. Thanks à puissance de la brise, cette laisse. On se met. Oh, éléphant adulte. Dur. Une crochet pour donner des coups à l'éléphant, sérieusement, on a cette espèce sans espoir. Manque un indice à trouver. Oh, ici. A pool of blood and saliva. Peut-être le sang sali, peut-être le résultat de nos pas. Sherlock, take a picture of the footprint. Je vais prendre une photo des empreintes. C'est une évidence. Utilisez LT pour activer votre appareil photo, RT pour prendre une photo. Le cadre de l'affichage virera au blanc pour vous indiquer que vous êtes correctement. Le cadre affichera au blanc. Noir, 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 noir. Blanc. Putain, je vois. Enlève-toi là. Pas le temps. Qu'est-ce que je dois prendre comme photo? Là?
Menugu. Goliath l'éléphant a peut-être attaqué Theodore Gilden pour pouvoir s'échapper de son enclos. Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi ça dit que le cadre deviendrait blanc? Cette photographie peut nous aider à retrouver la vieille article sur les éléphants. On avait bien du mal à y croire à l'époque. Et la première était captivante. Dans l'éléphant, c'était qui? C'est l'éléphant qui l'a écrasé. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Les autres options. Il a trouvé. Dans un accès de colère, l'éléphant a brisé la chaîne et a jeté sa victime au sol avec férocité. En fuyant la scène, il a emporté le corps avec lui. Mais elle a lâché près du portail. Cette personne a assisté au moins une partie de la scène et a été proche du cabanon. Cet éléphant n'a pas pu aller bien loin. Supposons que tu débutes ce que j'ai fait alors. Tu pousses dans le dos jusqu'au manoir. Là, près du cabanon, juste à côté, cette personne a pris le portail. De plein fouet, lors de la fuite, l'éléphant, ce qui signifie qu'elle a peut-être vu ce qui s'est passé. Elle a fui, mais n'a sûrement pas pu aller bien loin.
Quelqu'un a assisté au drame chez Gilden. Personne a fait tomber son couteau et a pu se blesser en tombant. Bon, est-ce qu'ils ont vu un éléphant ou pas? Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà une question à laquelle je peux répondre. Ah, il peut répondre. L'éléphant répondant au nom de Goliath a traversé le pont de la Grèce en direction de la forêt où Théodore Gilden avait l'habitude de se promener. La piste mène vers la forêt. Dirigez le pont de Grèce. En répondant au nom de Goliath, à travers le pont de Grèce, direction de la forêt, Théodore Gilden avait l'habitude de se promener. Piste mène vers la forêt, mais tu la vois où cette satanée forêt? Help me, please. Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Les gars, faut peut-être suivre sa trace. Ah! Revenons ou pas? On peut se rendre jusqu'au pont. Can I ask you a question? Excuse me, what? I'm not sure I know. Could you help me? I can't help you with that, sir. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Can I ask you a question? I don't know, but you got me curious. Are you able to help me? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Et lui? Is this familiar to you? I have nothing to hide, sir. Mais je n'ai jamais entendu parler. I've never heard of this. This isn't working. You might need a different tactic. Peut-être utiliser un autre stratégie.
Could you help me? Don't think I can trust you. Ah, où la forêt a commencé. Do you know anything about this? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Non, c'est pas la forêt, ça. Non, c'était tout pour le live du jeu Sherlock Holmes. Chapitre 1, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!